de l'année de décès de Romain Rolland, où nous allons ensemble, nous, Romain Rolland, fêter Romain Rolland. Mesdames, Messieurs, nous sommes ravis de vous accueillir dans la mairie de Clamecy, dans la salle Romain Rolland, baptisée Romain Rolland en hommage à cet enfant du pays, pour la commémoration du 80e anniversaire de l'année de son décès. Romain Rolland était un écrivain, né à Clamecy en 1866 et décédé à Vézelay en 1944. Et il a tout de même reçu le prix Nobel de littérature en 1915. Nous allons donc, à travers plusieurs extraits, vous présenter un aperçu de son œuvre considérable, ainsi que de ses idées, parce que c'était aussi un très grand intellectuel engagé. Au milieu du tumulte des événements de son époque, face au tourment de la guerre et de la haine entre les peuples, Romain Rolland s'est illustré comme un esprit visionnaire, un Européen convaincu avant l'heure, un idéaliste ayant à cœur la fraternité et la paix comme seul combat pour l'humanité. Vous allez entendre à travers les voix de nos jeunes lecteurs du lycée Romain Rolland les textes réputés de cet auteur, Colas Brugnon, Jean-Christophe, Au-dessus de la mêlée, mais aussi d'autres extraits issus notamment de la biographie que lui a consacrée son grand ami autrichien, Stefan Zweig, qui complète le portrait de Romain Rolland et révèle le retentissement de ses idées à travers le monde. L'esprit de Romain Rolland est profondément humaniste et remonte jusqu'aux Lumières de Voltaire et même jusqu'à la Renaissance de Rabelais. Mais il jette encore pour nous sur les événements qui nous entourent et qui sont encore aveuglés de violence un éclairage nécessaire qui nous rappelle l'héroïsme humain et ses valeurs essentielles. Nous vous remercions pour votre écoute et votre présence à cette heure de commémoration littéraire et fraternelle. Ensemble, portons les idéaux humanistes dont les mots de Romain Rolland sont l'âme et les seules armes. Qu'armée de ces mots, la génération nouvelle, consciente de la nécessité de s'élever, défende son intelligence et son indépendance en restant toujours au-dessus de la mairie. Tout ce que je sais, c'est que le lycée s'appelle Romain Rolland et qu'une salle à la mairie s'appelle aussi Romain Rolland. En fait, le lycée s'appelle Romain Rolland car il s'agit d'un grand écrivain qui est né justement à Clamecy. Il est né à Clamecy, mais quand? Au Moyen-Âge? Oula, attends, nous allons tâcher d'y voir un peu plus clair. Ça sera certainement utile à tout le monde. Tu n'es sans doute pas le seul dans cette salle à ne pas bien connaître cet écrivain. Super, on va vraiment apprendre plein de choses. Pour commencer, Romain Rolland est né en 1866 à Clamecy et mort en 1944 à Vézelay. Tu vois, ce n'est pas vraiment le Moyen-Âge. Il n'est pas allé loin dans sa vie, celui-là. Clamecy, Vézelay, j'en ai fait 20 km. Mais non, il est revenu dans sa région de naissance à la fin de sa vie. Entre-temps, il a beaucoup voyagé dans plusieurs pays d'Europe. Et jusqu'en Russie. Il y a même rencontré Staline. Pour commencer, Romain Rolland est allé à l'école et au collège à Clamecy. Mais à l'âge de ses 16 ans, sa famille a déménagé à Paris. Et il a continué ses études là-bas? Oh oui! Et il y a fait de grandes études, au lycée Louis Le Grand. C'était même une grosse tête, il était affligé d'histoire. Docteur en lettres. Musicologue. Et il a été professeur d'université pendant longtemps dans ces trois domaines. Tout en écrivant et en faisant publier des œuvres majeures. Majeures, c'est-à-dire très connues? Oui, il a reçu de nombreux prix Nobel. Et même le prix Nobel de la littérature en 1915. Ah oui, quand même. Mais il écrivait quoi comme genre de livre? Des pièces de théâtre. Des romans. Des biographies. Des lettres, des essais. De tout, quoi. Vous auriez pas un exemple plus concret? Eh bien, il a écrit par exemple un roman d'Itom qui s'appelle... Jean-Christophe. D'Itom? Mais qui c'est qui écrit tout ça? Eh bien, figurez-vous que ce roman a été lu jusqu'en Chine. En Chine? Oui, dans le roman de Dai Sijie qui s'appelle Balzac et la petite aïeux chinoise. Ah oui, je me souviens, on a lu Balzac et la petite aïeux chinoise en français. Ça se passe pendant la Chine totalitaire de Mao. Mais c'est qui Mao? Un dictateur qui interdit les livres. Les gens n'ont pas le droit de se cultiver. Si bien que les deux héros doivent se cacher pour lire de la littérature étrangère. Ils devaient même voler les livres pour se les procurer parce qu'ils étaient carrément interdits. C'est impressionnant, un écrivain chez nous, un enfant du pays qui a marqué les esprits jusqu'en Chine.
Oui, on peut vraiment dire que Jean-Christophe a rendu Romain Rolland célèbre à travers toute l'Europe. C'est encore grâce à Jean-Christophe que Romain Rolland a rencontré Victor Hugo. Non, pas vraiment. Victor Hugo était déjà mort lorsque le premier tome de Jean-Christophe est paru au début du XXe siècle. Il n'a donc pas connu Victor Hugo. Il a assisté à ce secret national quand j'ai été du Japon. Et il est évident que Victor Hugo était un modèle par ses idées en faveur de l'humanité. Zweig a envoyé plus de 500 lettres à Romain Rolland entre 1910 et 1938. Et Romain Rolland lui répondait en retour. Dans sa biographie, Stéphane Zweig a voulu rendre hommage à Romain Rolland qu'il considérait comme le plus grand événement moral de son époque. Justement, leur amitié est le symbole même de l'Union européenne. L'œuvre de Romain Rolland demeure inébranlable dans la tempête qui bouleverse l'Europe. Si nous jetons aujourd'hui sur son œuvre un regard rétrospectif, nous nous rendons compte avec étonnement qu'elle constitue dès le début une pyramide géante, construite pendant de longues années de travail, pour aboutir à la pointe unique sur laquelle frappera la foudre, la guerre. Il a métamorphosé ce thème fondamental en 100 variations différentes, drame, récit, dialogue, manifeste, et en une multitude de personnages. C'est pourquoi Rolland se trouvait déjà préparé intérieurement quand les autres commencèrent à se reconnaître au milieu des événements. Il n'est plus écrivain, poète, artiste, il n'appartient plus en France. Il est devenu la voix de l'Europe au temps de sa plus profonde détresse. Il est la conscience de l'univers. Il paraît aussi que pendant la Première Guerre mondiale, il écrivait aux familles des soldats pour donner des nouvelles. Zweig en parle d'ailleurs. Les milliers d'êtres sans nouvelles de leur époux, de leur père, de leur fils sur les champs de bataille tentent désespérés les bras vers l'espace. Il n'en garda pas un sentier, mais consacra la somme entière au soulagement des malheureux. Afin que la science confirme la parole. Son but était la foi. En quoi? En Dieu? La foi en l'humanité. La foi en la paix. En l'humanité, comme Victor Hugo. Oui, c'est ce qu'on appelle l'idéalisme français. Et dire qu'il est né à la Palestine. Et il en était fier. Il a écrit un roman qui s'appelle Colabolo et dans lequel il parle de Clancy. C'est un vrai roman, un permis français de sa symphonie européenne, comme disait Stéphane Zweig. Il parle de Clancy? À son époque, au XXe. Non, Clancy, au XVIe siècle, t'imagines? En fait, Romain Rolland a écrit ce livre au cours de l'été 1913, après un vrai passage à Clancy. Et pour maintenant, il est véritablement vivre de lui-même, en lui créatrice. Tout à fait français, tout à fait bourguignon, tout à fait nivernais. J'ai entendu dire tout à l'heure que Romain Rolland était un grand défenseur de la paix et de la tolérance. Et justement, le personnage de Claude Renaud se fait le porte-parole de la tolérance religieuse. Ah bon? La tolérance religieuse? Comment ça? Le roman se passe au XVIe siècle, au moment des guerres de religion entre protestants et catholiques. Et tout au début du roman, il présente son environnement, ses enfants, ses meubles, sa maison et la topographie des lieux proches de sa maison. On comprend que c'est un personnage très libre d'esprit, mais aussi un hommage à Clancy. À l'entrée du faubourg, de l'autre côté du pont, se bassait accroupi dans l'eau mouille de ventre. Juste en face se dresse, fière et légère, la tour de Saint-Martin à la jupe brodée. Et le portail fleuri où montent les marches noires et raides de vieilles robes, ainsi qu'au paradis. Et quand je ne travaille point, de mon petit jardin, regardez les reflets découpés dans le calme, les ronques à la surface y rôdent les poissons, les herbes chevelues qui s'éveillent au vent. Il pêchait à la ligne, il lavait le guenille et il vit des manteaux. Au creux du cercle des collines, la ville, négligente et parée, penche au bord de ses eaux, ses jardins, ses masures, ses haillons, ses joyaux, la crasse et l'harmonie de son corps allongé, et sa tête coiffée de sa tour ajourée. Ainsi, j'admire la coque dont je suis le limaçon. Les cloches de mon église montent dans la vallée, leur voix pure se répand comme flot cristallin dans l'air fin et gelé. Romain Rolland était un intellectuel, mais il avait les pieds sur terre. Il lui perd son temps en tâchant d'éclairer par sa sagesse des contemporains. Par exemple, dans son manifeste pacifique, au-dessus de la mêlée, paru en 1915, pendant la Première Guerre mondiale, il exhortait les peuples européens à cesser les luttes entre frères au nom des valeurs et d'une culture commune. Il disait la même civilisation, ou
pensait bien qu'à ce moment-là, il était contre-courant des idées nationalistes largement diffusées, jugées plus tôt. Je trouve aussi que Romain Rolland avait ce génie d'analyser objectivement les causes de la guerre, quand d'autres, comme tu viens de le dire, se laissaient emporter par leur passion. Il a su clairement identifier les causes de la première guerre. Il faudra bien un jour que vous vous donniez la main, vous et mon voisin du commun, ne fût-ce que pour toper dedans, pour vos affaires, il faudra bien que vous repreniez ensemble des relations supportables et humaines. Romain Rolland était un défenseur de l'idée d'une Europe unie et garante de la paix. Un peu comme son héros, Jean-Christophe, qui regardait Laurent depuis sa fenêtre, Romain Rolland, lorsqu'il était un jeune Clamsicois, regardait à la croisée de sa chambre passer le couteau. La déclaration d'indépendance de l'esprit en 1919 par Romain Rolland. Travailleurs de l'esprit, compagnons, dispersés à travers le monde. Nous arrivons à cette heure où les barrières tombent et les frontières se rouvrent. À l'appel pour reformer notre union fraternelle. Mais une union nouvelle, plus solide et plus ferme que celle qui existait avant. Nous savons la faiblesse des âmes individuelles et la force élémentaire des grands courants collectifs. Ceci, on balaye celle-là, en un instant. Car rien n'avait été prévu afin d'y résister. Que les différences seront un outil pour l'avenir. Et d'abord, constatons les désastres auxquels a conduit l'abdication presque totale de l'intelligence du monde et son asservissement volontaire aux forces déchaînées. Debout, debout, debout. Dégageons l'esprit de ces compromissions, de ces alliances humiliantes, de ces servitudes cachées. L'esprit humain des serviteurs de rien. Nous sommes faits pour porter, pour défendre sa lumière, pour allier autour d'elle tous les hommes égarés. Notre rôle, notre devoir est de maintenir un point fixe, de montrer l'étoile polaire au milieu de la nuit. Nous prenons l'engagement de ne servir à jamais que la vérité libre, sans frontières, sans limites, sans préjugés de race ou de caste. Nous ne connaissons pas les peuples, nous connaissons le peuple unique, universel, le peuple qui souffre, qui lutte, qui tombe et se relève, qui avance toujours sur les rues de chemin, trempé de sa sueur et de son sang. Le peuple de tous les hommes, tous également nos frères. Et c'est la foi qui prête, comme nous, conscients de cette fraternité, que nous élevons au-dessus de la combat aveugle l'esprit, un et multiple, éternel, libre. Merci, merci à tous, merci à nos élèves de seconde 1, de seconde 2, de seconde 3, de première MRCV. Merci à Amélie pour son accueil et pour le personnel à disposition. Merci à nos musiciens, merci aux professeurs. Merci à tous. Conclure cette soirée en vous remerciant pour votre présence et en demandant aux élèves, l'ensemble des élèves, de venir sur la scène. Les professeurs, Madame Valérie Armand, Madame Caridi, Madame Trivia, Madame Chichito, Madame Cabara, vous avez en face de vous une équipe qui a travaillé sur une courte période, qui a étudié les textes, lu les textes, compris les textes et qui ont souhaité ce soir vraiment faire vivre Romain Rolland, son âme, au sein de cette commune, dans ce lieu qui est Clamecy. Et nous sommes fiers d'appartenir au lycée Romain Rolland, et je suis fier d'être le proviseur. Bravo à tout le monde, et je vous demande de les applaudir. On s'est mis chacune à lire les œuvres tout simplement et à
à se répartir le travail en fonction de nos intérêts un peu plus personnels, parce que le profil de Romain Rolland était riche. C'était à la fois un enfant de Clamcy, un pacifiste, un romancier, un peu poète, un humaniste. Donc on voulait présenter un petit peu toutes ces facettes. Pour le présenter aux élèves, nous l'avons emmené au musée. Nous les avons emmenés au musée de Clamcy, où il y a une salle consacrée à Romain Rolland. Et ensuite, on leur a présenté des extraits de textes. Les lectures, simplement des textes, cela ne nous a pas semblé suffisant. Donc, les professeurs de français ont rédigé un dialogue d'élèves pour introduire les textes et donner des informations complémentaires sur l'auteur et ses relations littéraires. Voilà, c'est vraiment un projet qui s'est mené au fur et à mesure, qui est parti d'un projet avorté qui n'a pas pu se faire et qui finalement a pris progressivement de l'ampleur. Les élèves ont adhéré surtout à partir du moment où ils ont rencontré l'auteur au musée, par le biais du musée. C'est vraiment à ce moment-là qu'ils ont commencé à comprendre qui était Romain Rolland, pourquoi le lycée s'appelait Romain Rolland. Et ensuite, à la lecture des textes et au moment de les travailler ensemble et de les mettre en voix, on voit aussi que progressivement, ils ont pris possession, on va dire, des idées, de l'esprit de l'auteur.